Et yo, bien le bonjour, le bonsoir, c'est Traclasse. Salut à tous, c'est Monsieur Colt. Petit message avant que la vidéo commence pour vous dire que nous sommes en live tous les lundis à 21h sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la petite cloche, de laisser un petit commentaire. Et sur ce, on vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Merci à vous. Et yo, bien le bonjour, le bonsoir, c'est Traclasse. Et salut à tous, c'est Monsieur Colt. Et c'est le bordel. Eh oui, parce que c'est le bordel. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, y a plein de trucs qui bug. On se retrouve sur Diablo 4, hein, bien sûr. Et on a fait déjà une intro et ça avait pas marché correctement. Mais là, ça marche, mais du coup, on est en plein combat. Voilà. Ça avait pas marché correctement, puis en plus de ça, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer la vidéo, donc... Ah oui, aussi, ça, j'ai oublié de préciser. Mais du coup, là, il y a un autre événement, donc vas-y, tu entres l'autre événement. Et après, justement, c'est ce qu'on disait, on va faire la petite... On continue la quête principale, hein. On en est à l'acte 3 de l'épisode précédent. Exactement. On a cassé la bouche à Astaroth et à Touffu. Exactement. Voilà. Et Hagrid, il avait le seum. Hagrid, il était dégoûté. Il a dit Touffu. Voilà, voilà. Ah bon, il a dit ça? Non. Oh, une baguette de mage. Je suis pas mage. Et j'ai eu une baguette de mage. Ok. Ça va bien te servir. Moi je pense que t'as le seum après. Ouais, non, parce que bon, bah les baguettes, voilà. À part pour manger. Aïe! Ça pique. On a un truc spécial. Avant la fin du rituel, détruisez les trois sens corrompus. Ok. Voilà. On a fait la maîtrise. Oula, oui. C'est un boss, ça. Peut-être. Ça m'en a bien l'air, en tout cas. Je me suis fait casser la bouche, mais attends, mais on est... On est trop fort, nous, maintenant. Bah oui. Je vais dans le poison pour récupérer du soin. Eh, il est pas malin, le garçon. Ok, bon, c'était cool. Hein. Voilà, c'était facile. Eh ben, on continue. J'aimerais bien voir une monture. Ah, et recommencer avec la monture. Et oui, car nous n'avons toujours pas de monture. Bah, mais c'est chiant de se déplacer à pied, là. Il y a des chevaux trop stylés. Moi, je veux un cheval trop stylé. En fait. Moi, je veux un dragon. Grave. Il me faut plus de temps. Je sais même pas si on peut en avoir un, mais grave. Je veux un loup-garou. Ouais, mais ça vole pas un loup-garou. Ou un loup-garou avec des ailes. Il n'y a pas une classe où tu joues un loup-garou? Sûrement, je sais pas. Ah si, t'as la classe des druides. Les druides sont alliés à tout ce qui est trucs de nature, donc à mon avis, ils doivent avoir la métamorphose. Là. Si, druide. Ah, tu vois, ouais. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais, ouais. Ça peut être stylé, en vrai, un druide. Tiens, il y a un... Oh, dis donc, il y a des ennemis. Ah, mais c'est là le chemin, Colt. Ouais, mais là, il y a un machin, là. Un totem, là. Un sanctuaire. Ouais, sanctuaire. Vas-y, hein. Je sais pas vraiment si ça vaut le coup qu'on aille le chercher, mais vas-y, hein. Je suis stun. J'arrive. Je suis plus stun. Bon, j'arrive, mais j'étais pas tout seul, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, j'ai remarqué, t'as un peu ramené un gros ours. On n'est pas tout seul. Des araignées eximées, des insectes, enfin on aime ça nous. Et tout le temps cours de mana là. Je suis stun. Éclaté, je suis plus stun. Allez, viens là au lieu de fuir là. Ouais, ou crève quoi. Ou meurs, ouais, à la limite. Oh, il y a un niveau 41 qui vient nous aider. C'est vrai que nous on est des noobs à côté tout de même. Ah bah oui, hein. Il est là, le sanctuaire, il est là. Richesse, le courage frappe où la richesse apparaît. Massacrez vos adversaires pour empocher de l'or. Ok. Ah. Il faut aller où du coup? Tuer des gens pour l'instant. Ok. Pour avoir de la thune. D'accord. On avait déjà tout décimé avant de. Bah ouais, c'est pas malin leur truc là. Ah, j'ai gagné un point de pouvoir. Ah si, j'ai un point de talent là. Ok. J'ai un nouveau pouvoir. Il a un nouveau pouvoir. Bravo.
Ça, c'était un remix de la musique de Dragon Ball. Et oui, qui a été chanté par Club Dorothée. Et ouais. Oh, mais c'est trop bien mon nouveau pouvoir! Je peux faire un mur de feu, mais on va plus faire ça. Plus faire ça. Cole, je suis trop fort! J'en ai strictement rien à faire. Non, je rigole. C'est quoi ton nouveau pouvoir? Bah, je peux plus le faire là, je peux le faire dans 45 secondes. Ah, bah voilà, c'est malin. Ariane, oui, c'est ça. Ariane, oui, oui, c'est ça. Mais oui. C'était au Club Dorothée. Si, si, si. Pour préparer cela. Eh, mais c'est bien parce que plus je joue ma classe, et plus je l'aime bien. Eh ben, c'est tout à bien, bien, hein, parce que il faut, au niveau de la bonitude de, des choses. Je sais que mes phrases ne veulent rien dire, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Effectivement, hein. Il y a un truc là en bas. Rédamine. Est-ce que c'est comme de la kétamine? Non, la rédamine, c'est un médicament. C'est comme Juvamine. C'est un médicament que tu te mets dans l'arrêt. Voilà, c'est comme Juvamine, sauf que ça pénètre par pas le même regarde côté. Mon super pouvoir. Bléchim. Ah, ah ouais, tu fais des tornades, c'est ça? Il y a plein d'os qui tournent autour de moi, ça fait des dégâts à tout le monde. Ok, ok. C'est pété, hein? Pourquoi ça pue? Non mais c'est pété parce que c'est fort. Bah ouais je sais, je rigolais. J'ai fait genre je comprenais pas, t'as vu. Oh de, le gobelin, gobelin, gobelin. Faut le gobliner, faut le gobliner. Non, on le gobline mais il s'enfuit ton gobelin. Hein. J'essaie de le ralentir mais ça le ralentit pas. Viens là, viens là. Je crois que j'ai pas la classe qu'il faut pour le suivre lui. Hein. Bah moi non plus. Hein. Viens là le gobelin. Gobelin au trésor. Je viens de faire gobliner. Viens là. Oui. Ouais. Oh, il voilà. Nous a donné une amulette du Turfu. Trop bien. Et voilà. J'ai pris de la rédamine. Ah. Et j'ai trouvé des pâquerettes. T'es allé cueillir des pâquerettes hein. Une fleur d'un jaune éclatant trouvée en coltant des herbes dans les steppes arides. Ok. Sa mère. C'est ok. Ah ah, tu vois, j'ai eu des récompenses pour avoir donné la pâquerette poudreuse. Tu vois, t'aurais dû la récupérer. Eh ouais, de fou. Elle sem. Mais moi, je suis pas là pour cueillir des pâquerettes, ok. Ah, mais tu vois, j'ai eu encore de l'XP en plus. Bon, allez, mon ami. Vas-y, go Asie. Go Asie à la quête Asie. Ouais, Asie. Asie, là. Ah yeah, c'est lui. Que s'est-il passé ici? Qu'est-ce qui se passe, moi? Alors, parlez à Teclin. Let's go. C'est parti. C'est parti, let's go. Allons-y. De toute façon, amis. Là, ça va être les moments chiants de blabla. Ouais. C'est le moment qu'on va lui casser des bouches. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Bah écoute, après, j'ai envie de te dire, on fait le plus proche. Hein. Voilà, le plus proche, c'est Raison Vacillante. Let's go, hein. Non? Eh ben c'est par tatouille hein. Vas-y hein. Donc du coup, comme l'a dit notre cher ami GG, il y a 4 actes. Oui, et donc on est au 3ème, c'est ça? Donc on est au 3ème, donc en vrai on a, déjà, on a bien avancé hein, quand même. Bien. On a plutôt bien avancé. Bah, tant mieux, tant mieux. Lui il a une monture. Ah mais non, mais c'est un PNJ. On peut même pas les taper. On peut même pas taper les PNJ quoi. Nul. Si on veut être des méchants comme Traclas, on fait comment? Bah oui, on peut même pas. On peut juste avoir l'apparence d'un méchant, c'est tout. Mais nul. On sauve des gens. Je vais manger un nécrophage qui mange pas les gens. Quoi. Superbe. Après, un nécrophage, c'est un mangeur de morts. Hein. Bah oui. En gros, toi, si on dit, vas-y, mange tes morts, toi, tu te dis merci. ça veut dire bon appétit chez moi. Voilà, c'est ça. Toi, c'est un petit bon appétit, quoi. Restez près de moi. Restez près de toi? Un mec bourri qui se fait tuer par des chèvres? C'est plutôt toi, reste près de moi, ouais. Grave. Reste près de nous. Maudit. Bah ouais. Blichim! Ça y est, de la baston, ça y est. C'est moi le plus fort, je suis le plus fort des mages. Et c'est moi le plus fort de tous. Et toi, t'es un mage aussi, du coup?
Ouais, de la magie, magie noire, quoi. Bon. La magie de mort, quoi. Oh, c'est l'hôtel de Lilith. Ah, t'es béni par Lilith. intelligence augmentée. Ouais, peut-être, n'empêche que c'est ton ennemi qui te... t'es béni par ton ennemi. Bah toi aussi t'as été béni par ton ennemi en fait. Ouais, c'est vrai. Donc ça triquite, mais... Mais ça vaut pas mieux, c'est ça. On doit faire quoi? Chercher Elias avec l'orate, ok. Très bien. Parce que moi j'avance et je tue les gens, mais... Ouais, bah moi aussi, hein. Après, pour moi le jeu c'est ça, de toute façon, c'est avancer, tuer. Je t'avoue que... Bah c'est parce que là on a un leveling. Et je t'avoue, moi j'aimerais bien... Une fois qu'on a fait la quête principale et tout, essayer un peu les donjons, les trucs comme ça. Ouais, on s'en prend quand même, faut tester. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse. Et puis tout de suite, ça va nous faire redescendre de nos grands chevaux. C'est sûr que ça va être différent, oui. Quand on va se faire éclater, tout de suite on va être là en mode « Ah !» On est peut-être pas si fort que ce qu'on croyait, quoi. Ah non, mais moi je le sais, hein, c'est juste que... Alors, un pentacle géant. Ok, comme d'habitude. Ok, nous on doit éliminer les ennemis. Ça me va. Venez tous là. Ne coûte pas de mana. Ok, moi ça me va. Ça tombe bien parce que moi j'excelle dans l'extermination de masse. Moi aussi, si. Donc en gros si j'active ça... Oh. Ah ouais, si j'active ça j'ai mana infini, oui c'est magnifique. Bon c'est juste le temps où il est activé mais c'est pas mal. T'as un sort qui te donne du mana infini? Ouais bah c'est le serpent, quand le serpent est activé j'ai mana infini maintenant. Ah pas mal. Oui. Bon, après il se recharge tous les 45 secondes, quoi. C'est un peu chiant. Ah, je les stun. j'ai plus de mana. Ok. Oui, ça y est, ça fait que c'est la bouche. Easy. Fouiller la maison. La maison? C'est ça la maison? Et bah fouillons la maison. On doit trouver des indices. Des indices, bah c'est magnifique, trouvons des indices dans cette maison. Sépulture, ok. Oui, ok, c'est cool, je suis content, ravi. Ravi de faire votre connaissance. Une statue Lilith sculptée d'une main experte couverte de sang et de viscères. Ouais? Vous parlez à Jean-Michel peut-être? Jean-Michel Bach, parchemin démoniaque. Là il y a un livre. Oh, je m'en fous. Ok, après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à trouver? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à trouver? Le parchemin, le livre, c'est trouvé. Là, le tas de cailloux, là. Ok. Ouais, ça j'ai déjà fait. Ah bah tiens, c'est bon. C'est voilà bon ce que j'ai trouvé. Nous arrivons trop tard. Ah. Elias est parti depuis longtemps. Ce Djembar est notre invasion. Espérons qu'ils sont contents. Trouver Djembar. Ok. Bah, let's go. Ah bah, c'est parti, let's go. Allons-y, les amis. Il ouais, a ouais. J'ai chanté du Dora sur Diablo 4. Hein. Eh, ça fait bon. Deux fois que je le fais, hein. Tu travailles que maintenant. Ah, oh, mais quand même, quoi. Le changement d'ambiance. J'ai trouvé ça rigolo, moi. Je me dis, c'est. Ouais, c'est. Dora, c'est aussi sordide que Diablo 4. Voilà. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est sordide, Dora. Je suis désolé. Elle parle. Elle parle à un sac à dos qui parle et qui chante. Ensuite, elle trimballe un singe qui parle, ça choque personne. Bah écoute, c'est la drogue. Hein. Bah là, j'avoue que ça fait des dégâts. Hein. La drogue, c'est mal. Regardez Dora. En plus, elle parle mi-anglais, mi-français. Elle arrive même pas à tenir une langue. Oui, c'est bien. Oh, ça sert toujours l'anglais. Oui, c'est une blague. Allez, Djembar. Ah bah attends, pour l'instant, il est... Pour l'instant, il parle tout seul. Oui. Djembar. C'est Maître Elias qui vous envoie? Maître Elias, oui, il nous a convoqués. Notre mission est des plus importantes. Il est où, Babouche? Ah ouais, shipper et tout. Tu lui dis à gauche, elle te dit bravo à droite. Quoi? C'est vrai en plus. Hein? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le maître a tout ce qu'il lui faut. Allez, Trapounet, on y va. Djembar.
Oh, oh. Ah, ah oui, j'ai eu la même réaction. C'est un boss en fait, le jambard. Le jambard, ouais. Moi, si je dis que prenait... Astaroth la dernière fois, mais bon. Ah ouais, bah. Et si on se prenait un bout de jambard? Un petit peu de jambard là, C'est le jambard de Fleury Michard. Bon, j'ai comme l'impression. Désolé. C'est pour esquiver les pentacles. Ah bah ça y est, bien moyen, mon ami. Bientôt j'aurai le ki infini. Dans une seconde. Aïe, je vais avoir le ki infini. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je peux pas le toucher? Non, c'est de la triche. Il, je crois, il va invoquer une, un démon. Et le démon, il s'appelle Elias comme ça, là? Non. Non, non, Elias, c'est... C'est qui? Ah, si, peut-être, oui, si. Bah oui, si, si, j'ai l'impression. Après, niveau 50, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Bah ouais, j'imagine, comme tous les... Ouais, bah oui. Les MMORPG... Ah, je me suis fait fier. Non, d'ailleurs, c'est Mammon. Le... C'est Mammon, d'ailleurs. Ah oui, c'est Mammon. C'est Mammon. On doit tuer Mammon et Jambar. Non, c'est Mammon. Mammon, si tu veux, mais pas son nom, c'est on doit les tuer, quoi. C'est les pentacles, en fait, qui nous... qui nous firent. Oups. Mauvais. Dans d'être souffrance. Même, même. Ok, Mammon, il est mort. Toujours Jambar. Tout ce blabla pour se faire défoncer en 2 secondes. Il reste juste Jambar, mais Jambar, il va finir par mourir, Jambar. Maintenant. Et voilà. Plus de Jambar. Et plus de Mammon. Bah c'était rapide. Bah c'était... facile. Alors, le rat. Les mauvaises nouvelles. Ouais, c'est... Jambar attendait quelqu'un. On dirait qu'Elias et sa folie ont fait des émules. Il a aussi dû leur apprendre des invocations. Vous avez entendu Jambar. Le maître a tout ce dont il a besoin. Il prépare quelque chose de terrible. Et les bonnes nouvelles? Eh ben voilà. Elias nous a fait un cadeau. Vous vous rappelez? Ce démon qu'il nous a envoyé est unique. Il doit être constamment nourri. De sacrifices humains, pour être précis. Ok. Si je lui ouvre le ventre, une de ses victimes pourrait nous indiquer sa provenance. Il faut que je l'amène à Khed Bardou pour l'examiner. Je pense qu'il va falloir se téléporter à Khed Bardou après. Ah ouais, pour refaire. Bah pour la suite. Ouais, ce sera peut-être plus rapide, vas-y. Hein. Allez, monastère d'Orbeilly pour parler à l'abbé. Et bah vas-y. Hein. Et vous, oui, mais alors, n'empêche, pour le peu qu'on joue, je trouve qu'on XP quand même très vite. Hein. Oh, je trouve aussi. Allons voir l'abbé Mozart. Après aussi, il faut dire, on est tellement fort que bon. Bah, j'avoue qu'on est quand même vachement pété. Et je dis pas ça en mode on est pété, genre défoncé. Hein. Ah, en mode on est pété, genre on est pété. Et puis une fois qu'on arrivera dans les donjons, on va se faire péter. Hein. il y a de la bœuf là. Voilà. De la bœuf. Allez, viens, on est chez toi ici. Ouais, l'abbé Pierre. Tu vas te calmer, espèce de nécromanfile. Ça ressemble plus à... Oh là là. Oh là là, ça m'énerve déjà de l'entendre. Qui? L'autre là, qui crie, hein, les érudits là. Où ça va? T'entends pas les érudits qui crient là? Ils ont peur et tout là? Ils ont peur de nous en plus, c'est con. Alors qu'on vient les aider quoi. Plein de cadavres, non. Mais y'a rien dans les cadavres. Moi je les entends pas, c'est peut-être parce que toi t'es un nécrophile. Ah si, j'ai entendu là. J'ai entendu le voilà. Ah, c'est de l'autre côté, faut aller. Ils ont peur de nous. Ouais, ils ont peur de nous, je crois. Hein. Bah, ils ont raison, on va les tuer. Pour la peine. C'est dommage. Ouais, ils sont censés les aider. Bah, je m'en fous. S'ils n'avaient pas eu peur de nous, je les aurais aidés, mais vu qu'ils ont peur, ils vont mourir. Ah non, regarde, ils veulent qu'on les aide.
à sortir. Ah. Et oui, et toi tu dégages là. Mais c'est des fantômes. Ah, mais c'est parce qu'ils sont morts, d'accord. Allez hop. Qu'est-ce qui explique cela en fait? Pouvoir magique infini. Katon, le feu suprême de Monsieur Colt. J'allais dire de Traclas en plus, hein, je te jure c'est vrai. T'as compris? J'ai compris, mais c'est parce que tu sais qui est le plus fort, c'est pour ça. Bah c'est moi. Parce que tu m'envies tellement que tu te prends pour moi, quoi. Non, c'est parce que j'ai l'habitude de répéter ton nom. Oh, parce qu'en même temps, esquiver, j'ai pas esquivé. J'ai pas trop l'habitude de me parler à moi-même. Genre, hé, hey, Monsieur Colt, Ah bon? Moi, je me parle tout le temps, moi. Moi aussi, mais pas en m'appelant. C'est rare. C'est déjà arrivé, hein, mais... Il y a Casper qui a ouvert les portes pour nous. Oh bah, Casper est en train de me courser, là. Voilà. Il y a rien ici. Ou qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on va? Aucune idée. Okay. On cherche l'abbé du monastère, mais je sais pas où on va. L'abbé Pierre, où es-tu? Très classe. Where are you? Ouais. I am here. C'est parce que j'ai voulu dire plein de phrases en même temps en une seule, ce qui a donné n'importe quoi. I am here next to you. Ok, so I follow you. Let's go. Motherfucker. Let's go to kill us. Pardon. C'est sorti tout seul. Parce que tu parles américain, c'est pour ça. Voilà. So... L'américain, c'est de l'anglais, mais avec des insultes. Voilà, c'est pour ça. Je suis Captain Ricain. C'est vrai en plus. Captain America, du coup, il remplit mal son rôle. Il aurait dû être gros, parler mal, avoir une moumoute. Tu vois, Trump? Bah. Chiant. Mais. Captain America, il est censé être représenté. Bah, l'américain, bah, moi je trouve que Trump représente bien l'Amérique. Oui, mais c'est comme. Il est censé être comme Superman, représenter l'américain modèle. Ouais, le bon pas, modèle. Pas l'américain cliché. Ah, ouais, bah, ouais. C'est moi aussi, j'ai pas tout compris. T'as bien répondu, c'est bien. Où est l'abbé Pierre là? Je sais pas. Il s'appelle même pas l'abbé Pierre, mais bon, c'est l'abbé Pierre quoi. L'abbé il est en train de me saouler là. Abbé Mozart. Mais du coup, il va être mort ou il va être vivant l'abbé là? Ah bah, j'espère qu'il sera vivant, parce que si on vient juste pour amener un cadavre, ça risque de pas me plaire. Je suis pas encore prêt. Si, moi j'aime bien, je vais le manger. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est qu'il y a du monde par ici. Oui, chakra illimité. Je vais essayer de les paquer, moi, c'est pas marché. C'est un peu pété ton truc de chakra illimité là, non? Ouais, ça fait du ping, mais ça dure pas assez longtemps cette histoire. C'est là, Colt. C'est là-bas, Colt. Interagir. Trouver les paroles de litanie secrète pour accéder au cloître intérieur. Oh, wow, comment il m'a cassé la bouche, lui. Attendez, parce que j'ai pas trop kiffé, moi. Voilà. Donc, mauvais. Jusqu'au soir, je le garderai en sécurité et dans la nuit qui suit également. 2, 3, soleil. Tous les jours, je me suis préparé pour accepter le fardeau de ce savoir. Et le dernier, c'est quoi? Dès l'aube, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu l'avènement des ténèbres. Oh oh! L'avènement des ténèbres. Des ténèbres ténébreuses. J'ai dit, Sésame, ouvre-toi. Ouh, ça sent le boss. Il est vivant! Il est des nôtres. Mon père, bah il faut partir. C'est Abbé d'Orbeil. Hein. Moi, je préférais l'abbé Pierre. Est-ce que c'est nos copains? Ça va être nos copains? Faut le tuer, il est méchant. C'est notre ennemi. Allez, tuons-le. Il parle d'Elias encore. Attends, je regarde la cinématique, moi. Oh putain. Mais t'abuses, regarde la cinématique. Bah, meurs. Hein. Oh, je vais pas mourir. Il passe tout lui aussi là.
Mais non, j'accélère, c'est trop long qu'on y parle, ils sont super lents. On suit l'histoire est grave intéressante. Oui, je suis d'accord. Quand on a des jeux avec des bonnes histoires. Ouais, mais c'est un vrai. Ouais, il me faut mon dragon pour avoir mon chakra illimité. Allez, viens là, l'abbé. L'abbé Mozart. Du coup, j'ai à peine suivi, je sais même pas pourquoi il est transformé comme ça. Parce qu'il est méchant. Ouais, mais au début, il avait pas l'air méchant. Mais si. Je sais pas si c'est pas Elias qui lui a fait ça, là. Ça va le tirer. Non, ça tire pas les boss. Ça sert à rien contre les boss. Il est chiant avec son truc. C'est épais, c'est un tricheur. Ouais, prends ça, toi. Allez. Oh, je suis coincé. Ok, ok, toi bien. Oh, il est nul, l'abbé, là. Il est pas très fort. C'est un sac à PV. Ouais, comme tous les boss qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant. Voilà. Il s'était porté. Par contre, si le mana pouvait venir plus vite, parce que ça, c'est un peu lent, je trouve. Hein. Moi, ça va, parce que je recharge en tapant, donc. Il est où? Il est là au fond. Je vais avoir le retour de mon bouclier d'os. Bam! Du coup, quand je fais mon bouclier d'os, là je fais des dégâts. Là. Allez, prends ça! Viens là, l'abbé Pierre! Non! C'est l'abbé d'Arbeille! À un moment donné! Ah. Voilà! Parfait! Sera partagé avec les enfants de l'île. Voilà! On l'a défoncé! Alors, donc on doit retourner maintenant à Quête Bardu. C'est la ville, ça, je crois, non? Ah oui, c'est la ville. Tu veux TP? Tu veux TP? Tu veux te on TP? On peut se TP d'ici? Tu TP veux? TP veut TP? Oui, tu peux TP. Tu peux TP. Tu peux TP, TP comment? Écoute, tu te débrouilles. Bah, ah, ok. Tu prends la carte et tu TP. Ouais. Tu veux TP? Vas-y, hein, go TP, hein. Ah bah vas-y, on va TP, hein. Mais avant, tu sais ce que je vais faire? Tu vas TP? Presque. Presque. Je vais mettre un point de compétence dans mes flammes. Parchemin, des archives interdites. Il compte invoquer. Tu allais rendre la quête, Montre Clounet. Exactement, je suis en train de lui parler. Ok. Ok. Ignore évidemment. Elias pourrait recouvrir les steppes de sang, mais un démon inférieur pourrait totalement dévaster le continent. Venez. Ok. Il protégeait ce pauvre fou, Jenbar. Un minotaure. Mais où est-il? La réponse. Ça a l'air d'être un démon plus qu'un minotaure. Ah mais non, c'est pas le démon qu'on a. Si, c'est le démon qu'on a cassé la bouche tout à l'heure. C'est Elias qui protégeait justement. C'est très délicat. Une main de noble. Elias devait nourrir cette créature avec autre chose que de jolies bottes. C'était le fils de quelqu'un. Ou la fille. Il faudrait brûler les démons. C'est ignoble. Ah, ce médaillon porte l'emblème du régent de la maison royale de Gul'ran. De l'ancien régent. J'avais remarqué. Ça suffit, vieil homme. Les morts méritent le respect. Les morts ne méritent rien tant que les vivants sont en danger. Gul'ran a désormais un nouveau régent, et Elias en est la cause. Les morts ne signifient peut-être rien pour vous, mais ce médaillon peut apporter la paix à ceux qui portent encore le deuil. Très bien. Si nous voulons trouver Elias, alors nous devons aussi nous rendre à Gul'ran. Rendez-vous là-bas, et tâchez de ne pas tarder. Ok. Ok. Sympa.
Évitez les portes de... Et maintenant, on doit se rendre à Gul'ran. Exactly. Je pense qu'on le fera dans le prochain épisode. Hein. Dako Dagzoé. Et ben voilà, maintenant que j'y pense, plus le temps passe, plus le perso de Monsieur Colt a un style éclaté. Ben oui, tout à fait. Non, là regarde. Ah, bon, t'enlèves la tête comme Traclas. Ça va, c'est bleu. Bon, c'est bleu clair et bleu foncé, et bleu nuit et noir, et rouge, et jaune et vert. Et Je m'habille comme un clown, Traclas. Et comment tu fais pour être tout stylé, toi? Bah, c'est ma classe qui est trop stylée, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que toi, on dirait... Je suis un clown. Je suis un clown magicien. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner et activer la cloche. À faire un petit tour sur TikTok et à mettre un commentaire si vous avez envie de commenter. Et puis, nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut tout le monde, merci à vous.